Est-ce qu'on doit le prendre personnellement? C'est un stress de stress quoi. Tu peux remettre un peu. Je suis vraiment relax. Wow, salut les Maxou Lovers, comment vous allez aujourd'hui? On est avec Monsieur Poulpe et Terracide. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Monsieur Poulpe? Tout ce qui est de la joie, tout ce qui est de bonheur, tout ce... Il sait pas ce qu'on va faire. Ouais. Ben, je vais vous l'expliquer parce que c'est très simple. On posait tous... Un cœur. Je parlais vraiment du téléphone. Ah, d'accord. Nous n'allons pas appeler des gens au hasard. Non, je vois venir le truc comme McFly. Non, tu vas scroller par exemple dans ton téléphone. C'est peut-être regarder... C'est vraiment la même chose du coup. Pas du tout, parce que tu vas voir... On les appelle au hasard. Ouais. On va un petit peu regarder ton truc et on va dire, est-ce que tu veux bien qu'on appelle cette personne? Tu l'appelles. À ce moment-là, tu auras dans tes oreilles de la musique. Du coup, tu sais pas exactement ce que la personne te dit. Pour autant, tu vas devoir entretenir une conversation avec elle. Et pour ce faire, nous allons t'aider à répondre à cette personne. Mais comment, puisque je vous entendrai pas? Tu vas devoir. Si vous voulez, je commence, comme ça vous voyez ce que c'est. Je vais vous laisser regarder. Ça me semble un choix... Faut pas appeler papy. Il a un cancer. Allez, on fait papy. Mais par contre, il va rien comprendre, ça va être horrible. C'est ton jeu de merde. Mon ton papy. Allez, c'est parti. Il fait la sieste. Oui. Il nous hurle avec lui. Allô? Allô, papy? C'est Maxime, ça va? Oui. Oui, ça va. Comment tu vas aujourd'hui? Ouais, c'est normal, ouais, je comprends. Ouais, il fait froid, là. Ah, toi, t'as froid? Ah, pourquoi? Il fait froid au village? Ah, oui, je comprends. À Paris, aussi. Ah, gros bisous. Fais des bisous à mamie. Au revoir. Mais ça s'est super bien passé. C'était le répondant. Oh, c'est déchiant. Mon papy m'aime toujours bien, y'a pas eu de malaise. Je veux dire, mon service est malade mental. Il va entendre le gars qui dit oui, papy, ça va? Ouais, il fait froid. Bah écoutez, le truc, le gars se fait une conversation. Je me fous de ma gueule. Il se fout. Il voulait pas me parler. Ah, il fait froid. Ah non, tu vois. Oh, j'ai bavé de rire. On va quand même pas lui faire appeler Apple, ce serait trop drôle. Imagine, il appelle la boulangerie comme une baguette. Oh non. Ça fait son petit boucan hein, sur les réseaux sociaux. On peut appeler Rico Simpson? Ouais, on peut appeler Rico Simpson. C'est encore quelqu'un de très puissant et d'important que je connais pas. Tu le connais, tout le monde connaît Rico Simpson. Ah. Tout le monde connaît sa teub. Non. Ah, c'est un... Ah, tu me permets de faire une petite recherche? Oui, Google, ah oui. Ah, mais oui. Bah oui. Oui, oui. Il a l'air super sympa, je crois. Ouais, c'est un bon vivant. Allô Rico, tu vas bien? Ça me fait trop plaisir de t'entendre. Ça me fait trop plaisir de t'entendre. Comment vas-tu? Comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, super. Bah, en fait, je t'appelais parce que je me suis dit, c'est quand même, ça fait longtemps, quoi. Bah, ouais, ça fait carrément. Je vais voter pour toi aux prochaines présidentielles. Si ça te dérange pas. Est-ce que tu voudrais venir un jour dans mon dingolerie un matin pour parler de ta... Ouais. Quand tu veux, moi je viens de la avec toi. Tu tournes quand même en ce moment là? Tu t'as pas tourné des scènes récemment? C'était quoi le scénario à peu près? À peu près le scénario c'était quoi? Par rapport à la bite? Je sens que je te dérange Rico, est-ce que tu veux que je te rappelle plus tard? Est-ce que tu m'entends? Non? Bon, est-ce que je peux te rappeler dans 5 minutes? Ouais, bah oui, carrément. Parce que là je suis en pleine conversation philosophique avec une photographe. D'accord, je te fais des gros bisous alors. Bisous. Hey, ouais, il s'en est bien sorti la fin. Hein. T'as vu quand c'est dur, tu te rends pas compte que c'est si dur. Pendant 10 minutes, t'as dit, je peux te rappeler. Et toi, t'as. Ouais, je passe à mort du golf. Par contre, la fin, les au revoir. Bye, bisous, ouais, machin. Ça, c'est... Super c'était... bien timé, bam bam. Vite, tu vas lui dire que c'était une blague, machin. C'est fini. Papy, c'est mort.
n'ai aucune idée de qui c'est. Il a ça. Il y a pas de mésentente possible, quoi. Il y a le nom, il y a l'emoji. Pierre Cross. Ouais. C'est parti, mon gourmand. On part pour Pierre Cross. Allô, ouais, Pierre, ça va? Pierre, je te trompe, t'es là? Non, tu vas pas bien? C'est un peu. Si, c'est ok, ça va. Cool. Ouais, je t'appelle pour savoir ton studio. Je me disais, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses me le prêter pour que je puisse tourner genre une heure ou deux dedans parce que je suis en galère à Webmedia là? Mais moi j'ai plus de studio à Webmedia. Non, c'est mort, il n'y a plus de place. Moi j'en ai plus. Je ne possède pas. Ah ouais, non, c'est carrément impossible, mais je peux payer. Ah! Plus tard tu pourrais. Ça marche, ok. Ok, bah c'est vraiment cool de ta part parce qu'en vrai là moi sinon je pouvais rien faire et j'ai du monde qui m'attend, j'ai un gros staff. À quelle heure je peux venir? Je passe dans un tunnel. Hein. Ouais, je peux venir, mais tu vas pas dire l'heure. Ok, bah alors dans ce cas là c'est good. On peut manger ensemble? Tu veux me manger? Bah on mange tous les deux et on voit ça, mais tu pleures. Je suis pour, mais pourquoi? Parce que t'as faim, putain, ouais, mais moi je vais pas manger aussi. Mais on peut manger maintenant si tu veux. Enfin pas maintenant tout de suite, genre plutôt demain ou plus tard. Ok. On y va en voiture? Bah moi j'ai pas le permis hein. Qu'est-ce qui... Ouais. Ça fait 18 secondes seulement. J'ai un problème. Il y a un problème avec... Au revoir. Laisse-moi lui faire. Je suis pas encore gêné parce que je sais pas ce qui s'est passé. Le gêne. Oh putain. Oh là là, les connards. Écoute-moi bien. Il a raccroché. Je passe sous un tunnel, ouais. Il a raccroché. Ciao. Ensuite, on a appelé Pierre et tu lui as laissé un message où tu disais j'ai faim, c'est un cauchemar. Ça a duré super longtemps. Je me disais, mais pourquoi il raccroche pas la maison dans aucun sens? Et il veut me prêter son studio, il veut qu'on mange ensemble. Tu pleures parce que t'as faim. Et dans quelle conversation? Ta diététicienne. Non. Oui, mais je l'ai vu une fois la fille. Elle connaît ma mère et tout. Fais l'enfer, ça. J'ai appelé ça. Allô? Oui, bonjour, c'est Maxime, je sais pas si tu te rappelles de moi, j'avais pris rendez-vous avec toi une fois pour de la diététique. Oui, je me souviens, est-ce que je peux te... Comment ça va? Je suis désolé de te déranger en samedi. Y'a pas de soucis, je peux te rappeler dans une dizaine de minutes. J'ai mangé un tagine. Est-ce que la pauvre tu l'as dérangé trop avec ta voix de merde? J'ai pas regardé ta chérie dans un enfant de 5 ans qui me plaque. J'ai envie de mourir. Elle a raccroché? Quand j'ai dit le tagine, elle a raccroché. Oh, c'était la goutte d'eau. Je veux dire, c'était une blague avec des copains. Elle reçoit un appel, j'ai mangé un tagine. Et juste après, c'était une bonne. Alors, quand toi, on est chicken que j'en dis qui m'appelle. Alors, attends, tiens. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles? Non, toi, pourquoi tu m'appelles? Moi, je voulais pas. J'hésitais à t'appeler. Comment va le chien? Comment va Ness? Tu m'as appelé, je te rappelle. Moi, je t'appelle. Viens, on fait un freestyle ou un truc comme ça. C'est con, en fait je trouve ça con que tu sais, tu montres vachement quand tu danses, si tu fais vachement de break et tout. Et viens, on va au bout du truc. Ouais. Zam, allez, ça marche. Oh la fin, désastre. Oui, Kian. Il m'a dit qu'il m'appelait pour me dire qu'il avait perdu ses parents. Noémie costumière. Oh, elle est gentille en plus. Oh, c'est horrible. Et donc on part sur la costumière, Noémie. Si, les gars, c'est horrible. Allô? Ouais, Noémie, c'est Maxime, ça va?
Ça va, chérie? Oui, 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 ça va, tranquille, tu vas, tout va bien? Dis-moi un truc pour que je te reconnaisse, parce que ça fait quand même bon, comment est-ce que je peux être sûre que c'est toi? Moi, ça va. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Ah oui, je t'appelle ben, pour prendre des nouvelles, j'espère que tu vas bien, savoir ce que tu faisais, parce que maman m'a dit qu'elle t'avait vu en ville et tout, voulait savoir comment t'allais, quoi. Tu fais toujours des costumes? Écoute, non, moi je suis toujours dans mon petit magasin, tu m'as vu à m'occuper des titres de naissance, tu verrais de temps en temps... Oh, félicitations! On m'appelle pour faire des costumes, ouais. Il dort? De quoi il dort? Qu'est-ce que tu racontes? T'as cru que j'avais eu un bébé? Tu vas accoucher, c'est ça? Ah ouais, je vais accoucher, jamais plus de la vie, je mets un enfant, c'est une horreur. Toi, pourquoi? C'est vraiment des cons les gars. Noémie, toutes mes excuses. Vraiment, on voit ça, je vous le dis, elle s'occupe des carnets de naissance. Et toi tu dis, t'es enceinte. Et tu arrêtes pas d'insister sur le fait qu'elle est enceinte alors qu'elle t'a dit, mais pas du tout, plus jamais. Mais c'est marrant parce que j'avais jamais ressenti ça. Tu veux là, truc moi, la diététicienne, je vais pas m'en remettre. Voilà, comment je vais faire? Oh, sinon il y a Joyka, tu choisis. Peut-être Joyka. Ouais, allô, Jordan, ça va? Comment il va, lui? Ouais, ouais, ça va. Dis-moi, je te dérange deux minutes, j'aurais voulu savoir si, dans votre local, il y avait moyen de passer pour tourner là-bas. Bah, viens, ouais. Ouais? Ah, c'est pas possible. Mais si, pourquoi? Merde, parce qu'en gros, moi, j'aurais juste besoin d'un truc, mais c'est pour tourner avec mon staff, il y en a pour une après-midi, tu vois. Ah, mais t'es trop con, ah ouais, je sais ce que tu fais, t'es vraiment une grosse merde, t'es raciste, je sais que tu mets un casque là et tu m'entends pas ce que je dis. Non, si, ah, t'es ok, merde. Non, bah, ça m'emmerde un peu, mais bon, tant pis, écoute, mais si jamais t'as un plan pour moi, pour que je puisse, ok, ok, cool. Ouais, ok, cool. On accueille tous les racistes au lot, y'a pas de soucis, tu peux venir. Oui. On sait que, oui, bah voilà, donc je m'en vais. Oui, bah ouais, de dingue, à mort. Ouais. C'est parce que t'es raciste. Oui, carrément, non, pas du tout, encore, ouais, mais à fond. Ah, c'est là qui lui fait la vanne, mais je ne sais pas. Merci mon ref. Allô? Bisous, bisous. Et toi, ça, toi en ce moment? On touille. Tous les jours. C'est top, t'es top. On se... Ah! En fait, il a capté. Au bout de 3 secondes, il a dit, t'as un casque sur les oreilles et tu m'entends pas. Oh non! Et après, il me disait, est-ce que t'es une grosse merde? Oui, oui. Putain, merci les gars. On a passé une super vidéo. Que de rire et tout. Non, en tout cas, merci beaucoup pour ce voyage. Merci à vous. Et je vous souhaite une belle vie. Je sais pas comment on finit. Ouais. Salut. Au revoir.